détermine le terme général Tn de la suite des nombres que voilà. Nous voyons évidemment que 2 fois 3, c'est 6, fois 3, c'est 18, fois 3, c'est 54, etc. Donc, il s'agit d'une suite géométrique pour laquelle nous avons ces formules à notre disposition et pour laquelle le premier terme vaut 2 et la raison Q vaut 3. Puisque nous cherchons le terme général, nous allons appliquer cette formule-là, formule dans laquelle nous remplaçons le T1 par 2 et le Q par 3. Nous en déduisons que le terme général Tn vaut 2 fois 3 exposant n moins 1, et l'exercice est déjà terminé. Mais nous pouvons quand même tester si notre formule trouvée a des chances d'être bonne. Par exemple, calculons le premier terme de la suite au moyen de cette formule. La formule donne que T1 est égal à 2 fois 3 exposant 1 moins 1. 3 exposant 0, ça fait 1, et 1 fois 2, c'est 2. Donc, d'après la formule trouvée, le premier terme de la suite doit être égal à 2, et c'est juste. Vérifions pour T2. Cherchons donc le deuxième terme de la suite au moyen de cette formule. T2 est égal à 2 fois 3 exposant 2 moins 1. 3 exposant 1, ça fait 3, et 3 fois 2, c'est 6. Donc, d'après la formule trouvée, le deuxième terme de la suite doit être égal à 6, ce qui est bon. Alors, testons encore pour T3. D'après la formule, le T3 est égal à 2 fois 3 exposant 3 moins 1, comme ceci. 3 moins 1, ça fait 2. 3 exposant 2, ça fait 9. Et ce 9 fois 2, ça fait 18, ce qui est bon.